Bonjour, bienvenue dans la vidéo numéro 2 de l'album Désir. Donc nous avions réalisé la structure de la couverture. On va réaliser des structures de pages. Donc vous allez prendre cette chute, donc il vous reste de la couverture. On va la découper à 17 cm de large sur toute la longueur. On va déjà réaliser une petite cascade. Et sur cette pièce, nous allons faire un pli. Alors un pli à 15,5. Et un pli à 17. Je vais enlever les petits bouts de papier avec une ponce. Parce que je vais avoir besoin de changer la lame de mon massicot. Donc je vais le faire incessamment sous peu parce que ça va m'abîmer le papier. Donc là, ça nous fait une largeur de 17, donc ça va être pour mettre des photos. On va réaliser une petite cascade et du coup on va avoir besoin encore d'un autre morceau à 17. Alors on va garder ceci de côté. Alors, reprendre une feuille de cardstock et faire une découpe à 17 tout le long, enfin sur toute la hauteur, dans un sens ou dans l'autre. Et là, nous allons faire un pli à 17,5. En fait, je vais vous expliquer l'idée. 17,5, c'est ici. L'idée, ça va être de placer cette page par-dessus celle-ci et de faire encore un petit pli avec un rabat qui va venir ici. Donc là, vous avez un pli à 17,5 et on va faire un pli du coup à 17. Donc 1 à 17, 1 à 17,5. Ça va nous faire un tout petit pli d'un demi centimètre de ce côté. Pour faire un petit pli d'aisance. Ça va nous faire un petit rabat. Donc cette partie-là sera collée ici, à plat. Et on aura ici une petite partie qui va revenir devant. Alors à l'intérieur, on va en profiter ici pour rajouter encore une petite cascade, enfin un petit rabat, un deuxième rabat, on a la place. Donc on va prendre un morceau donc en 17 de large. Alors ça fait 13. Cette chute va être un peu trop courte. Je réfléchis si j'optimise ce papier. 17,
13, 13,5. Si on enlève 1,5 cm, il nous restera 12. Donc c'est bien, on peut mettre une photo dessus. Donc on va la recouper à 17. On va le tourner dans l'autre sens et on va faire un pli à 1,5. On va reprendre notre petite structure ici et on va pouvoir coller cette partie-là en dessous l'espace d'un et demi qu'on a laissé ici. Et ça va nous donner une petite, encore un petit rabat ici. Donc 1, 2, donc on a cette page-là, toujours là. Et on va voir, on va peut-être pouvoir en rajouter encore une autre qui va venir par ici. Ici. Donc on va rajouter encore le même morceau. On va entamer une nouvelle feuille. Donc on va couper. Donc à 17. Par 13,5 avec le pli à 1,5. On va regarder combien on peut en caser sans que ça dépasse de notre cascade. Donc on met une première ici. Une deuxième juste après. Deux. Il nous reste encore de quoi en placer une autre. Eh bien, on va la réaliser puisqu'il nous reste un morceau encore à 17,5. Eh bien, on va recouper à 13,5. Et faire le pli à 12. Allez, on reprend notre ensemble. Donc on a la première partie comme ceci, la deuxième qui va venir à plat dessus mais qui sera collée que sur notre pli d'un et demi pour pouvoir récupérer tout l'arrière de notre passage, de notre pli. Ici, on va avoir un deuxième rabat. À la suite, encore un autre. Et on va regarder si ça passe. Et encore un autre ici. On est bon, ça passe. Ça va nous faire 1, 2, 3, 3 rabats, 4 rabats, plus toute cette partie-là. Alors, on va mettre du double face. Juste derrière à l'arrière de chaque pli ici. On les coupe en biseau, on les laisse à plat. Et à l'arrière de celle-ci également. Le pli central, on va mettre du double face. Alors, on va coller le premier pli ici au bord de notre carte. Et ici, vous avez votre petit rabat. J'ai bien envie de recouper un tout petit peu, je sais pas. Ça s'est pas découpé proprement avant que je change ma lame. Et si j'enlève un petit millimètre, je risque d'être trop court. Non, mais je vais le laisser comme ça et recouper au ciseau. Donc on va coller
le premier pli de cet ensemble. On vient le poser à plat, d'un angle à l'autre. Normalement, on est bien. Ensuite, vous ouvrez en dessous du premier pli. On va venir poser celui-ci. Donc, vous le repliez et vous vous mettez au bord de votre premier pli. Ça nous laisse un espace d'un et demi à chaque fois. Ici, nous allons coller un deuxième. Pareil, de la même façon. Donc, j'ai collé le côté texturé devant. Et le dernier. À la suite. Voilà, on a encore un petit demi-centimètre en bas de marge pour tourner cette page-ci. Ça nous fait une belle cascade et on a cette page qui va venir se refermer. Donc soit on mettra un aimant, soit par exemple on pourrait, vu qu'on a une petite chute, mettre une pâte comme ceci. Je pense qu'on va le faire, c'est assez intéressant. Donc ça nous fait une longueur de, enfin une largeur de 3,5 et on va recouper ça à 12, c'est suffisamment long. À 12 cm. On va faire un pli à 1 cm du bord, à 1 cm et un pli à 2 cm. Alors réfléchissons un petit peu. Quand on va poser ceci, ça va nous faire un pli d'aisance. Donc à l'arrière ici, on va mettre un morceau de double face. Alors, on peut venir le coller en dessous, ici, et revenir sur le devant. Ou alors, on pourrait le coller ici sur le côté. Ça changerait un petit peu. On peut le mettre plus haut, plus bas, faire quelque chose au milieu. On va changer de sens, on va le coller de ce côté. C'est plus intéressant. Par contre, du coup, on va mettre du scotch à l'intérieur du premier pli. Celui qui est à l'arrière nous servira à coller l'ensemble dans l'intérieur de l'album. Là, on va coller celui-ci à l'arrière. Alors, quelle hauteur vais-je opter? Ce serait pas mal, un petit peu plus haut. On va mettre à un tiers du haut. Vous collez votre pli, le premier, et du coup, on a le petit pli d'aisance ici. Et ça nous donne ceci. Ça change. Si on veut rajouter une étiquette carrée ici ou rectangulaire avec une photo debout, eh bien, ce sera bien intéressant. Là, on a de la place. Vraiment, on peut mettre pas mal de choses. Et du coup, on peut replier celui-ci également. Marquez bien le pli, puisqu'il était fait dans l'autre sens déjà. On va avoir une place ici, et encore une place là, et une sur le côté droit. Donc là, ça nous fait une, deux photos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et voire un peu plus si on rajoute encore quelque chose ici. Donc là, l'idée, ça va être de placer un aimant à l'arrière, un jeu d'aimants. Nous allons les placer. Comme ça, ce sera fait. Donc je vais déjà en mettre un ici à l'arrière de ma pâte. Environ 1,5 du bord gauche et au milieu pour la hauteur. Vous placez votre aimant ici. On va mettre le deuxième, un petit point de colle. Ça y est, hop. Où est mon bouchon? Ah,
là je vais refermer. Alors on va fermer ici en angle droit, bien en angle droit, et du coup je suis sur le côté droit. J'en ai deux en plus. Je vais en mettre qu'un, ça suffira. Hop là. Et je vais placer un petit bout de double face. Vérifions maintenant si nous sommes bien positionnés face à face. Parfait. Parfait, parfait. J'aime déjà beaucoup cette structure. Bon, voilà, les inventions en cours de route. Donc, ceci va aller dans notre couverture. Donc, réservez un papier à motif si vous voulez mettre comme moi Carmen. Et à l'intérieur, j'ai opté pour cette page-ci que j'adore également. Je suis capable d'intervertir en fait, de mettre celle-ci à l'intérieur et celle-ci à l'extérieur. Je ne sais pas. L'idée, c'était que je puisse l'ouvrir ici pour ouvrir la porte et dévoiler peut-être une photo avec un système de tirettes. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. Donc c'est vrai que si c'est sur la couverture, ça va gêner. Donc on va garder ça. Et ici, je mettrai effectivement ce que j'avais prévu au début. C'est pas mal. Donc on a cette partie-là qu'on pourrait éventuellement mettre sur le devant. Comme ça, ce serait intéressant d'avoir quelque chose sur cette partie-là. On a encore tout l'intérieur et tout l'intérieur ici. Donc je vais réfléchir sur une autre structure et on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai réalisé un deuxième comme ça dépliant. Alors exactement le même que le premier. Vous allez faire la même chose sauf que la patte de collage ici, enfin pour fermer, vous allez la placer un petit peu plus bas que le premier pour faire une fantaisie. Et celui-ci, on le collera dans l'autre sens de manière à avoir nos pages en hauteur, pour placer nos photos comme ça en hauteur. Donc ça, donc c'est un premier élément. Donc nous en avons deux, on va continuer nos structures de pages. Donc vous allez prendre une nouvelle page de cardstock. On va faire deux morceaux identiques. Alors on va couper à 8 pouces tout le long, ici, à 8 pouces. Donc vous les avez sur votre... sur votre massicot, hop là, que je vous montre, vous avez, enfin sur le Fiskars, vous avez les centimètres, et ensuite ici vous avez les inches, les pouces. Donc on va couper ici à 8, donc ça fait 20, presque 3 mm pour celles qui n'ont pas les inches. Donc on va couper tout du long, à 8 pouces. On va faire deux fois ça, puisqu'on va faire deux feuilles identiques. Et après, nous ferons des plis. On va garder les chutes, on va les utiliser également pour faire des pochettes. Alors, dans ce sens, donc, on a coupé. Maintenant, on va faire des plis. Donc, j'ai mis ma petite feuille dessous. Alors, on va faire un pli à 18 cm, un premier pli à 18, mais on va également faire un pli à 1 cm. Donc, commencez par faire un pli à 1 cm, et ensuite 1 à 18, comme ça vous avez 17 cm ici. Donc, vous repliez. Et là, ça va être une base d'une autre page. On va faire pareil pour la deuxième. Donc un pli à 1 cm. Premier pli à 1 cm. Et le deuxième à 18. Comme ça nous fait un espace de 17. On va être dans pratiquement la même largeur que nos dépliants, normalement. Voilà. Ils seront cachés à l'arrière.
Ça, c'est pour le petit côté montage. Et là, on peut faire sur celui-ci le pli à l'intérieur pour changer. Nous ferons une pochette comme ceci. Alors ça, on le garde de côté. Ensuite, il nous reste nos deux bandes comme ceci. Là, on va faire un pli à 1 cm du bord. Ou même 1,5. À 1,5 du bord, vous allez faire un pli. Alors, hop là, on voit pas bien. Et à 1,5 de l'autre côté. Donc, vous tournez la feuille dans l'autre sens. On aura un pli à 1,5 de chaque côté. Et ensuite, on va plier notre page en deux par le milieu. Là, on ne s'embête pas à calculer le milieu. Suivant vos pages de cardstock, vous en avez qui font 30, d'autres 30,5, d'autres 31 ou 31,5. Donc là, nous avons nos deux plis. On va en replier un qui sera collé à l'intérieur pour fabriquer notre pochette. Et celui-ci nous servira pour la reliure. Donc on va le garder comme ceci. Alors pareil pour le deuxième, puisqu'on en a, on va les utiliser. Donc vous pouvez faire le pli à 1,5 à nouveau. À 1,5 de l'autre côté. Vous pliez en deux. Par le milieu. Et on va plier un bord. Alors ici, donc on a une longueur, donc on va mesurer justement la dimension que nous avons sans les petits plis. Alors j'ai 13,5, 6, 7, presque 8. Donc je vais marquer le milieu qui va être à 6,9 pour moi du moins. Vous notez le milieu. Et on va faire pareil pour le deuxième morceau. Et là, on va prendre les deux morceaux ensemble et on va réaliser une encoche avec la perforatrice ronde. Alors, je ne vais pas trop descendre. Faire des petites encoches. Et bien sûr, vous gommez le trait de crayon que vous avez en trop. Vous découpez les deux pages en même temps. Et pour refermer la pochette, eh bien on va coller le bas ici et ici sur le petit retour, le petit rabat, on va mettre un petit peu de double face. Alors pour le bas, je vais mettre du 3 mm parce que je vais garder le maximum de profondeur dans la pochette. On va déjà commencer par le bas. Et ici, pour le rabat, ben je vais mettre un double face plus large. Donc je le place sur le bord extérieur pour que quand je vienne coller, ça se mette bien à plat et que quand je passe ma feuille à l'intérieur, ça ne fasse pas une butée ici sur le pli en fait. Parce que si je laisse ce petit bout dépasser comme ça, en mettant le double face plutôt vers l'intérieur, je vais avoir ce petit bout qui risque de gêner quand on va glisser quelque chose. On risque de passer ici devant et d'être un petit peu coincé.
Donc c'est juste pour que ce soit plus fonctionnel. Comme ça, on n'a aucune gêne en fait quand on va passer notre carte à l'intérieur. Et là, votre pli, vous le marquez bien dans les deux sens. Ce sera une petite page comme ça, pochette, qui va bouger. Voilà notre pochette. Après, on pourra décorer cet ensemble. Alors, on pourrait les décorer avant de les monter dans l'album, mais comme je ne sais pas exactement les papiers à motifs que je vais mettre, on va plutôt faire le montage sans les décorer. On les décorera à la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé pour être bien? Donc, on a cette page-ci qu'on va utiliser ici en rabat. On va garder le maximum en fait de notre page. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'en servir de pochette également, ou faire une pochette ici, faire une pochette là. Non, je pense que je vais l'utiliser plutôt en rabat. Alors, on va reprendre la couverture. J'ai pas prévu pour le moment d'ancrer les papiers à motifs parce que je trouve qu'ils sont déjà pas mal finis au niveau des bords. Donc, je vais les coller tels quels. Alors, cette page-ci, je crois que c'est sur celle-là que j'avais envie de faire une ouverture. J'avais envie de faire une ouverture. Ici ou là pour glisser une photo, faire une pochette photo en fait avec ça. Donc là, à réfléchir ensuite. On va reprendre notre album. J'ai des papiers un petit peu partout, je m'excuse, je range au fur et à mesure. Alors, on va reprendre notre album. Reprenez votre album. Donc, moi, j'ai déjà réfléchi un petit peu aux pages à motifs, surtout celles en 20-20 que j'allais garder et ne pas découper, donc garder précieusement. Donc, la page de couverture, c'est décidé, ce sera Carmen. Comme ça, je pourrais mettre des roses en relief, de la dentelle, mettre pas mal de relief ici. Pour la tranche, elle est très jolie comme ça. Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose. Et à l'arrière, par contre, on a notre petit raccord à cacher. Donc, soit je prendrai une page en 20-20, enfin en 8 pouces, soit un fond en 30-30 que je redécouperai, ou je mettrai juste une bande. Enfin, à voir, ça, ce sera après à la réflexion. Donc cette partie de devant, je voulais mettre la fenêtre ici, enfin la porte avec la porte qui s'ouvre, mais vu qu'on a les aimants et qu'on a cette page qui se referme, on ne peut pas mettre de hauteur ici ni sur ce côté-là. C'est pour ça qu'on va pouvoir le coller. J'ai décidé que ça allait rester tel quel. Alors peut-être que je vais rajouter un petit peu d'encre ici. Quand on décolle du bloc le papier, il y a un petit peu de blanc qui apparaît ici sur le bord. Alors c'est très très léger, mais moi je le vois en fait sur le noir. On voit un petit trait blanc.
Donc je pense que je vais refoncer ça. Et cette page-ci, on va la recouper puisqu'elle était plus petite d'un demi-centimètre par rapport à notre couverture. Donc il va falloir enlever un demi. Donc à droite ou à gauche, attention, on ne va pas couper les mains. On va enlever peut-être un peu de chaque côté de manière à avoir qu'un demi-centimètre. Alors prenez la feuille Tango, place du Tango. Je vais regarder un demi, ce que ça donne, si ça en enlève beaucoup ou pas. Un demi, oui, un demi, ça passe sur le côté droit, vous pouvez l'enlever. On va regarder ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est d'avoir le même écart de noir tout autour, hein, comme un cadre. C'est plus équilibré quand on a le même espace tout autour. Ça me plaît bien, c'est très joli comme ça. Oui, ça me plaît bien comme ça. Donc, on va regarder pour prendre une encre. J'ai choisi l'encre Vintage Photo. Donc, c'est celle qui s'accorde, j'allais dire, le plus facilement avec. Et là déjà, on va pouvoir coller cette page sur le dessus de notre couverture. Alors à l'arrière, je vais mettre du double face. Donc ça tombe bien qu'on ait des pages avec des jolis motifs comme ça où on ne va pas mettre de photos dessus parce que c'est dommage, les motifs sont très très beaux. Et du coup, le fait d'avoir ces deux parties de couverture, eh bien, ça va nous permettre de mettre en valeur ces belles images, enfin, ces belles impressions, ces jolis motifs. On reprend la couverture, donc c'est le rabat de droite. On va enlever les petites protections du double face et j'ai un petit poil de sweetie qui s'est collé là. Donc on centre. Et on colle. C'est beau cette image. Waouh! Elle est belle cette collection. Depuis le temps que ça me faisait de l'œil. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que sur le côté gauche ici, alors ça, c'est pour garder ma petite page de l'autre côté. J'avais mis des pinces. Donc, celle-ci. On ne va pas l'ouvrir puisque ça va venir reposer ici avec les aimants. Ça va gêner. Donc on va la coller directement à l'intérieur, ici. Donc là c'est pareil, on va mettre le double face à l'arrière. Oh, j'ai hésité pour la couverture à mettre celle-ci ou l'autre. Mais c'est vrai que si on met l'autre à l'intérieur, on ne pourra pas mettre les roses dessus. Et c'était mon idée première. Donc, j'adore cette page-là. J'adore la porte comme ça. À Montauban, on a des portes comme ça. Quand je suis arrivée sur Montauban, il y a déjà un certain nombre d'années, je me suis promenée dans les rues parce qu'on a des briques rouges comme ça. Les maisons sont en briques rouges en partie, certaines. Les plus anciennes, les bâtiments les plus anciens, avec de belles portes. Donc, je suis allée me promener, j'ai visité un petit peu les ruelles et j'ai fait des photos, plein de photos de portes différentes, de toutes les couleurs. Et je me suis dit, je ferai une collection de tableaux, rien que de portes, et je ferai une expo et je l'appellerai aux portes de Montauban. Et
mais en fait, j'ai jamais eu le temps. Une chose, l'autre. Et puis voilà, ça a passé vite et j'ai pas eu le temps de le faire. Peut-être à la retraite, un de ces jours. Alors là, on va faire pareil. On va centrer sur notre page ici et on va coller. Alors, n'oublions pas d'ancrer les bords. Oups, j'allais oublier. Et on colle pareil en centrant. Et là, celle-ci, on la touchera plus. Donc, on va venir la coller, la placer devant. Alors, est-ce que mes aimants, ça bouge un petit peu, ça tient bien. Donc, on va garder celle-ci avec une petite pince de côté et on verra après pour la déco de devant. On va passer à l'intérieur. Donc, celle-ci. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Faut que je réfléchisse à un système. À un système. Bon, là, faut vraiment que je réfléchisse. Si j'ouvre complètement, que je laisse l'image en fond, que je fais une petite colonne pour glisser une photo. Quelque chose à glissière, une petite tirette, je ne sais pas encore. Là, faut que je réfléchisse. Ça va être un petit peu technique. Donc, l'idée, ce sera évidemment de ne pas recouvrir cette page parce que si on la recouvre, ben, on ne pourra pas utiliser notre système de tirette. C'est pour ça que j'ai fait ces deux pages. Donc, ça va nous servir, c'est-à-dire que ça va être collé. Alors, pas forcément en dessous ici. On va coller ça sur notre tranche ici. On a deux tranches. On va voir si on colle quelque chose. Donc, sur cette partie-là, alors ça c'est l'idée. On va voir après pour le montage. Donc, l'idée c'est de mettre une page ici sur la tranche, en plus de notre surprise intérieure, on va dire. Une page ici avec, on a une pochette, la petite pochette qu'on a réalisée, on va pouvoir également la coller par ici, soit en bas, soit alignée sur le bas, soit au milieu, peu importe, ça va être à l'inspiration. Donc là, on va avoir cette première pochette qui va s'ouvrir complètement et ensuite. On va avoir cette page qui va s'ouvrir aussi complètement. Et du coup, qui pourra s'ouvrir encore sur l'intérieur. Donc ici, un emplacement à photo. Et ici également. Et à l'intérieur, c'est là qu'on va pouvoir mettre notre dépliant. Celui qui va être comme ça à la verticale. Qu'on viendra ouvrir comme ceci. Et les pages se tourneront dans le même sens que notre rabat. Voyez, l'idée, ça va être ça. De coller cette page sur ce fond-là et de refermer celui-ci comme ça. Alors par contre, il faut vraiment que je réfléchisse. On va refaire un petit pli d'aisance pour faire passer tout ça ici. Donc avec le plioir, comme on le place à l'intérieur de notre page, on a quand même besoin d'un petit espace. Donc on va faire un centimètre. On va faire un pli d'un centimètre. Donc à gauche, cette partie-là. Alors, vous placez votre premier pli à 1 centimètre sur la droite. Donc vous avez le marquage en haut à 1 cm et vous marquez le pli.
Voilà, ça fait un gros pli, mais bon, vu qu'on va avoir des papiers à l'intérieur de notre pochette, et ça va donner ceci. Là, au moins, on va avoir un peu plus d'aisance. Voilà, impeccable. Alors, cette partie-là, alors l'idée, ça va être comment refermer cette partie. Donc là, il faut réfléchir. On sait que celle-ci est aimantée. On pourrait encore ajouter un aimant ici, par-dessus. On va faire un test. Il peut éventuellement venir se coller sur notre premier aimant. En fait, avec trois aimants, on fait deux systèmes. Celui-ci plus celui-ci. Donc ça, c'est une idée aussi. À garder de côté. Ça, donc on le mettra plus tard. Et ensuite, donc ici, ça va être collé. Ça va être collé à plat sur notre tranche. Ici. Au milieu. Peu importe, on pourra décorer. On pourra décorer ici avec une bande de papier. L'idée, ça va être ça. Alors, il faut vraiment que ça passe sans gêne. Sans gêne. Et là, c'est un petit peu juste. Je pense qu'il faudrait un petit pli encore à même pas un demi, à 2-3 mm. On va refaire un pli pour ne pas être gêné. Il faut quand même qu'on puisse coller avec ce petit pli, coller notre partie sur l'album. Donc là, un pli à 3 mm de plus, ça va nous faire une petite aisance. Et celui-ci, on le collera avec du double face rouge extra fort pour que ça tienne vraiment. Voyons. Voilà, ça me plaît davantage. On a un petit peu plus d'espace. Et celle-ci va être collée ici. Ici. Non, c'était pas là, c'était là en fait. Ici. Ça va en faire des pages. Et ça me plaît davantage comme ça. Voilà, le tout, ça va être de bien assembler les éléments. Donc là, on aura un système plus tard. Je vais faire quelque chose avec ça. Donc on va surtout pas le coller. On va garder notre papier comme ceci. Et sur la partie droite, il nous reste donc le même système, j'allais dire, puisqu'on a cette partie-là. On pourrait mettre dans l'autre sens pour changer. On a encore une pochette. On pourrait éventuellement la coller ici sur ce rabat là. Ça va nous donner un truc un peu plus curieux. Hop là. Avec des décalages comme ça sur la droite. On va la laisser simplement comme ça. Et à l'intérieur, là, on va rajouter donc notre système. Il s'ouvrira lui de haut en bas, enfin de bas en haut. Tac, on va le mettre dans ce sens. Après, on peut également le mettre dans ce sens aussi, mais je vais le mettre comme ça à l'endroit. Donc, on pourrait commencer par coller cette partie. C'est celle qui me semble la plus facile pour l'instant à faire. Et du coup, est-ce qu'on décore ça? Avant de le coller, si on le décore avant, il faut réfléchir déjà aux grandes pages de papier qu'on a besoin pour ces parties-là.
Donc, on va prendre le bloc en 30-30. 30,5 par 30,5. Et là, ça devient encombrant. Donc, j'ai pris celui-ci avec, avec les fleurs. Alors, avec les fleurs à l'arrière, les pois devant, tout en sachant qu'on va pas voir beaucoup du motif puisque ça va être caché par notre ensemble. Donc, est-ce que j'utilise la partie avec la frise en bas ou le rouge tout simplement? Donc, ça va peut-être être le rouge. Tout est joli, hein, franchement. Tout est joli. Je ne sais que choisir. Allez, je vais prendre le motif avec cette partie-là. Donc là, on va couper à 8 pouces. Encore 20,3 par 20,3. Oups, faut que je retrouve ma lame. Chut, 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 souillée. Ah, la chepie, dès qu'elle va passer un chat. Donc on va couper à 20 pouces, 8 pouces, je veux dire 20,3 cm. Là, on coupe tout droit. Et on va tourner dans ce sens pour garder la frise ici. Et là, vous coupez également à 8 pouces. Et on va ancrer les bords. Donc avant de coller cette partie-là, eh bien on va coller notre... notre page, comme ça, on va la coller en dessous. Celle-ci, elle va être sur notre page. Souti, ça va bien? Et du coup, on aura la tranche ici qui sera libre. Alors, vérifions... que ça ferme bien, pour être gêné. Comme cette partie de la couverture a un demi centimètre de moins, il faut enlever un demi sur le côté droit ou gauche et n'oubliez pas d'ancrer la page. Donc on va ouvrir donc cette partie là, notre morceau. À l'intérieur ici, on va mettre un petit bout de double face ou de la colle comme vous voulez. Et on va venir coller notre fond de page ici. Ensuite, on va pouvoir mettre du double face à l'arrière ici partout afin de le coller sur la couverture intérieure. On va coller tout cet ensemble. Donc on utilise le principal des papiers en 20-20 à motif et après on sera libre avec tous les restes de papier d'agencer la décoration de l'album. On réserve nos préférences au niveau des papiers
vous refermez et là vous venez centrer sur votre page l'ensemble. C'est déjà joli comme ça. Waouh. Alors, donc ici, je voulais mettre cette partie-là. Donc, qui s'ouvre vers le haut. Donc là, il va falloir à l'arrière coller tout complètement. Alors, si jamais vous voulez faire une pochette, bon, on n'est pas à une pochette près. Ici, on pourrait avoir une carte encore qui sort. Si vous collez uniquement ces trois bords-là. Moi, je vais tout coller, en fait. Je vais tout coller. Alors, on va prendre, par contre, du double face rouge. Vous pouvez prendre du 15 mm. Là, il faut que ça tienne bien, parce qu'on a toutes les pages à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que ce soit bien, bien solide. Comme ça va être manipulé plusieurs fois. Celui-ci, vous êtes obligé de le découper au ciseau. Allez, un petit bout sur le milieu. Et là, vous centrez. On va avoir pas mal de déco à faire là. Voilà pour cette structure. Ensuite, on a cette page qui se referme ici. On a donc notre rabat et on va rajouter une petite pochette ici en plus qui va venir se poser dessus. Alors du coup, on va mettre du double face sur cette partie. Alors celui-ci est trop large. Alors pour la hauteur, ben je vais me mettre pas exactement au milieu pour donner du rythme dans les pages. Donc je suis à peu près à 2 cm du bas, si vous voulez le faire exactement de la même façon. Donc on a notre pochette, on a cette partie-là, on a encore ici, ici, ça s'ouvre, on a notre dépliant. Donc ici, on pourrait utiliser également un aimant pour, voilà, pour venir refermer toute cette partie-là. Il n'y a que celle-ci qui est un petit peu flottante. Sinon, il faudra rajouter un aimant ici et un à l'intérieur de la pochette. Si on veut que tout soit aimanté, là, ben, en fait, on peut déjà mettre un aimant ici. Ça va déjà nous maintenir l'ensemble comme ceci.
c'est monté. Après, on a encore l'épaisseur des pages. Donc, j'espère qu'avec du papier, si on a une épaisseur ici, de papier, une épaisseur là. Donc, on va en mettre deux. C'est pas dit que ça ferme encore. Là, pour l'instant, ça ferme. Ici, ce sera décoré. À voir. Sinon, on rajoutera un aimant ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va mettre pas mal d'aimants parce que il faut que ça tienne bien. Et ici, pour fermer cette partie, à réfléchir si j'utilise un ruban ou pas. Donc on va faire autrement, on va pas utiliser cet aimant, on va décaler celui-ci un petit peu plus bas. Et de l'autre côté, alors là j'en ai deux, hop là, un seul suffira. On va venir coller celui-ci, parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur avec toutes ces épaisseurs de papier. Vous venez plaquer votre aimant. Et on va le coller avec un morceau de double face pour le maintenir en place. Alors on teste. Tac. Ok, ça ferme bien. Et là, ce serait pas mal de le coller à l'intérieur de la pochette. Alors là, il est venu se coller directement dedans. On va mettre un morceau de double face pour le maintenir. Oups. Et comme ça, on aura la pochette qui tient à cette partie-là. Qui tient ici. Et cette partie est indépendante. Comme ça, ça reste bien plaqué. Parce qu'en le mettant là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça ouvrait celui-ci avec la page de gauche. Donc c'est mieux que ce soit décalé. Donc là, pour cette partie-là, c'est bon. On va laisser ça de côté. Il nous reste donc pour le montage. Hop là, pour le montage de la grande partie qui est sur la tranche ici. Donc on va refermer ici. Oh, j'adore, c'est trop beau. Donc pour cette partie-là, on revient avec tout notre système. Donc on a notre bloc qui sera ici à l'intérieur. On a cette partie-là qui va être comme ceci. Et notre petite pochette qui va être en plus par là. Donc là, il faut qu'on refasse un pli. On va refaire un pli à 1 cm du bord. Comme ça, ça vous laisse un petit pli d'un demi centimètre entre les deux plis, entre les deux parties. Et du coup, ça nous fait un petit peu d'aisance également ici. Alors, hop, c'est reparti, on va coller. Donc on va coller. Alors là, par contre, je vais l'aligner sur le bas, la petite pochette ici. Donc on va coller ici, enfin ici, le premier pli contre le premier pli ici. Donc là, je vais mettre un double face blanc pour ce petit bout qui va pas être trop sollicité, on va dire. Donc on va le coller ici, donc contre cette partie là alors je vais mettre dans ce sens, je vais venir le mettre sur le bas. Vous alignez avec le pli de celui-ci. On a les mêmes plis en fait. Le petit pli d'un demi centimètre ici au milieu, on a le même tout du long.
Et là derrière, par contre, on va mettre un double face rouge. Parce que là, il va y avoir de la, comment dire, de la pression. Donc je vais mettre mon double face rouge plus épais sur la partie de la petite pochette, parce que là c'est plus épais. Mais ici je vais mettre un morceau un petit peu plus fin. Donc j'ai le 3 mm. Alors j'espère que ça va tenir avec du 3. Sinon, je réfléchis, il faudra bien s'aligner. J'ai envie déjà de coller cette première partie. Après, de toute façon, ici, il faudra mettre une bande pour cacher. Donc, si elle est plus large, c'est pas gênant. Moi, je préfère mettre plus large, ça tiendra mieux. Soyons fous. On va assurer le coup. Du coup, pour coller cet ensemble, on va venir se placer à environ 1 cm du bord gauche de la tranche. Alignez-vous bien déjà, en haut, en bas. Bon, tenez pas compte de l'image de dessous qui n'est pas collée, hein, celle-ci elle est un petit peu de travers. Donc on va se placer à environ 1 cm. Je regarde ma hauteur. Si je suis bien alignée, bon, essayez de pas partir de travers. Et là, si ça vous semble bon, eh bien vous pouvez coller, appliquer la double face. Donc là, on cachera cette partie-là. Et du coup, là, on a notre petit pli d'un demi centimètre, notre pochette aussi avec le demi. Donc là, on est bien. Et à l'intérieur, ici, on pourra coller notre morceau. Alors soit, alors du coup celui-ci dans ce sens, on a dit qu'on avait les pages à l'horizontale, donc soit vous mettez un morceau de papier à motif tout dessous, soit vous le faites à l'économie et vous mettez juste un morceau, une bande en haut en bas avant de coller ce système là de dépliant. Soit vous garnissez tout, c'est dommage, ça va gâcher du papier. Donc je serais d'avis de mettre une bande en haut, une bande en bas, puisque ça va complètement être collé ici sur le fond. Donc on a ce papier. Donc je pense qu'on peut utiliser peut-être des motifs, ou sinon on reste sur les petits pois, sur le motif à pois qu'on a de l'autre côté, en face. Je vais rester avec les pois. Donc du coup ici on va mesurer, donc vous prenez, on vient jusqu'au premier petit pli, on va en couper un tout petit peu moins, un 2 mm de moins. Donc déjà je vais couper ici une bande. Ici donc j'ai à peu près 16,8 puisque notre partie faisait 17, donc j'ai 16,8. Et là, en hauteur, je vais couper des bandes d'environ 4 cm. Je vais vérifier. Oui, 4 cm, on est bien large. Donc, deux bandes de 4. N'oubliez pas d'ancrer. Au moins pour les bords qui vont se voir.
pouvez coller à la colle également ces petits papiers à motifs. Moi j'aime bien le double face parce que c'est bien collé à plat, c'est propre. Après, c'est sûr que quand on colle, si on a besoin de redécoller et qu'on n'a pas collé droit, c'est pas top. Donc je vérifie, voilà, que ça ferme bien. Et là, je vais laisser sur le bas, je vais laisser à peu près 2-3 mm de cardstock noir autour, hein, mais pas plus. Et là, je vais vérifier si j'ai bien tout caché. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là. Alors, comme tout à l'heure, hein, on va mettre un double face rouge ou bleu. Rouge ou bleu ou vert. Un qui tient bien. J'ai hâte de le décorer, je pense qu'il va être superbe par ses motifs. Alors, on le colle dans ce sens. C'est bon, on est bien aligné. On a toute notre cascade qui s'ouvre entièrement. Super. Super, super. Donc cette partie se referme bien. Celle-ci aussi. Là, on a notre petite pochette. Je vais pas mettre d'aimant. Je vais la laisser se tourner comme une page. Donc là, ben oui, il n'y a pas besoin d'aimant. Et cette partie-là, on peut la laisser telle qu'elle aussi. À voir en décorant si on met... un aimant ou pas, ça me semble pas nécessaire. Par contre, là, j'ai ma pâte qui est un peu de travers, donc je vais décaler un peu mon aimant sur la droite, de manière à ce que ma pâte soit un peu plus alignée. Voilà, et là, au moins, ça suit mon papier ici. Vous allez dire, je suis un petit peu maniaque, mais... c'est important, il faut que ce soit bien aligné.
Donc, comme on n'a pas recouvert encore avec des papiers à motif, vous pouvez encore décoller. Il a encore temps de rectifier le tir. Donc ici, on aura... Alors, quand le double face dépasse de sa zone, avec mon aiguille de piquage, je le ramène vers l'intérieur. Parce que sinon, ça risque de coller des petites poussières, des petites choses comme ça. Et ici, donc, on aura un papier, une bande de papier à motif pour cacher le collage. Et du coup, comme mon double face était plus grand, je vais laisser une petite protection dessus. Ici, voilà. Donc, on a nos structures de pages qui sont faites. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais réfléchir sur la page centrale, sur le système, si je fais une boîte, ce que je vais faire avec cette partie-là. Il faut vraiment que je cogite. Et regardez si c'est chouette, tous ces décalages comme ça, en espalier, avec toutes ces pages. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'album.